Alors, ce matin, on va aller dans Hébreux 9, le verset 11 et 12. Tout le monde a eu ? C'est bon ? Alors, ce que la parole de Dieu nous dit, la parole de Dieu dit, « Mais le Christ est venu comme grand prêtre des biens déjà présents. Il a pénétré dans une tente plus importante et plus parfaite, qui n'est pas construite par des hommes, autrement dit, qui n'appartient pas à ce monde créé. » Ce matin, si on va dans le verset 24, on va comprendre dans quelle tente le Christ a pénétré, parce que nous allons parler vraiment de la possibilité que Dieu nous donne aujourd'hui d'avoir accès au lieu très saint et ce que Dieu attend de nous, plus précisément aujourd'hui, mais aussi toutes les fois où nous venons dans la présence de Dieu. Amen. Si on va dans Hébreux 9, le verset 24, la parole de Dieu nous dit « Car le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire construit par des hommes qui ne serait qu'une copie du véritable. Il est entré dans le ciel même, où il se présente maintenant devant Dieu pour nous. » Alors ça, c'est merveilleux, parce que la parole de Dieu nous montre aujourd'hui que le Christ lui-même est entré déjà dans le ciel, et aujourd'hui, il se présente devant Dieu pour nous. Oui ou non, tout le monde sait ça. Selon la parole de Dieu encore, dans 1 Timothée 2, le verset 5, la Bible nous dit « Car il y a un seul intermédiaire entre nous et Dieu, et c'est Jésus-Christ. » Amen. Alors, ce que la parole de Dieu dit dans 1 Timothée 2, le verset 5, la parole de Dieu dit « Il s'est donné comme rançon pour la libération de tous. » Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui ? Parce que au temps de la loi, dans la première alliance, ce qu'il fallait faire pour pouvoir accéder au lieu très saint, c'était donner des sacrifices d'animaux. Le grand prêtre entrait une fois par an pour donner le sacrifice d'animaux, d'abord pour lui, pour le pardon de ses péchés, et ensuite pour les autres, pour le pardon de leurs péchés. Mais ce n'était qu'une fois par an. Mais aujourd'hui, nous avons un grand prêtre qui a déjà payé le prix pour chacun de nous, et ce grand prêtre qui a payé le prix pour nous, c'est Jésus-Christ. Et le sacrifice qu'il a fait pour nous, nous libère de tout péché. C'est ça la grâce de Dieu pour nous. Lorsqu'il a donné Jésus-Christ, vraiment, nous avons le libre accès au lieu très saint. Mais pas n'importe comment, nous avons le libre accès au lieu très saint grâce au Christ qui s'est donné en sacrifice pour nous. Oui ou non ? Et ça, c'est vraiment, 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 vraiment merveilleux. Amen. Alors, selon la parole de Dieu, si nous avons accès librement au lieu très saint, la parole de Dieu nous demande donc, selon 1 Pierre 2, le verset 5, la parole de Dieu nous dit, « Prenez place, vous aussi, comme des pierres vivantes, dans la construction du temple spirituel, vous y formerez un groupe de prêtres, consacré à Dieu, vous lui offrirez des sacrifices spirituels qui lui seront agréables par Jésus-Christ. » Amen. Ça, c'est vraiment merveilleux aujourd'hui, Église, parce que la parole de Dieu nous dit, puisque nous avons aujourd'hui la liberté d'entrer dans le lieu très saint. Aujourd'hui, c'est une liberté qui s'offre à nous parce que Jésus-Christ a payé le prix pour nous, oui ou non ? Et que nous sommes purifiés de nos fautes, purifiés de nos péchés, ce que la parole de Dieu nous dit donc, prenez place vous aussi comme des pierres vivantes dans la construction du temple spirituel, vous y formerez un groupe de prêtres consacrés à Dieu, vous lui offrirez des sacrifices spirituels qui lui seront agréables par Jésus-Christ. Ce que la parole de Dieu nous dit aujourd'hui, il nous parle, de la construction d'un temple spirituel. Oui ou non ? Ça veut dire non physique, Église. La différence entre spirituel, c'est quand même le physique, oui. Tout ce qui est humain, tout ce qui est terre à terre, tout ce que nous pouvons toucher, oui.
Mais aujourd'hui, ce que la parole de Dieu nous dit, il nous dit, prenez place vous aussi. Il dit, prenez place vous aussi comme des pierres vivantes dans la construction du temple spirituel. Ça veut dire, Église, que ce que le Seigneur attend de nous aujourd'hui, c'est que nous soyons vraiment disposés à être en esprit. Parce que selon la parole de Dieu dans Jean 4, le verset 23-24, la Bible dit « Mais le moment vient et il est déjà venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Amen. Mais le problème, Église, c'est que parfois nous venons pour adorer Dieu, pour louer Dieu, mais nous sommes encore très physiques. Oui ou non? Oui, on va rester de chair, c'est sûr. Pour être debout, pour louer, on a besoin de notre corps. Mais ce que je veux vous faire comprendre aujourd'hui, Église, c'est que le Seigneur attend vraiment que notre esprit, notre être entier, soit dans la louange, dans l'adoration, dans la disposition pour le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il dit aujourd'hui, il dit, « Vous y formerez un groupe de prêtres consacrés à Dieu. Vous lui offrirez des sacrifices spirituels. » Alors aujourd'hui, pour vraiment bien comprendre ces versets, Église, nous allons faire la parallèle entre le temple d'autrefois et aujourd'hui, ce que Dieu attend de nous. Si pour le temple spirituel, si on va dans Hébreux 9, on a besoin de bien comprendre ce que le Seigneur veut que nous fassions dès lors que nous venons dans sa présence. Oui ou non? Alors, voilà comment était le temple terrestre dans la première alliance. C'est une comparaison pour bien comprendre la différence entre le temple spirituel que Dieu attend de nous et ce qui était terrestre. Alors, la parole de Dieu nous dit, Hébreux 9, à partir du verset 1er, la première alliance avait des règles pour le culte et un temple terrestre. Une double tente avait été installée dans la première partie appelée le lieu saint. Il y avait le porte-lampe et la table avec les pains offerts à Dieu. Derrière le second rideau se trouvait l'autre partie, appelée le lieu très saint, avec l'autel en or, où l'on brûlait l'encens et le coffre de l'Alliance, entièrement recouvert d'or. Dans le coffre se trouvait le vase d'or qui contenait la manne, le bâton d'Aaron, qui avait fleuri, et les tablettes de pierre, avec les commandements de l'Alliance. Au-dessus du coffre se tenaient les chérubins qui signalaient la présence divine. Ils étendaient leurs ailes au-dessus de l'endroit où l'on offrait le sang pour le pardon des péchés. Mais ce n'est pas le moment de parler de tout cela en détail. L'ensemble était ainsi disposé. Les prêtres entrent jour après jour dans la première tente pour accomplir leur service. Mais seul le grand prêtre entre dans la seconde partie et il le fait une fois par an. Il doit y apporter le sang d'animal qu'il offre à Dieu pour lui-même et pour les autres, pour les fautes que le peuple a commises involontairement. Le verset 8 nous dit, « Le Saint-Esprit montre ainsi que le chemin du lieu très saint n'est pas encore ouvert aussi longtemps que subsiste la première tente. » Amen. Alors, selon la parole de Dieu, Église, dans cette alliance, il y avait une tente physique et une double tente où le prêtre avait le droit d'entrer tous les jours dans le lieu saint, mais une fois par an seulement dans le lieu très saint. Et dans cette première alliance, pour vous prouver vraiment que nous sommes dans la nouvelle alliance, Église, la parole de Dieu nous dit que dans cette première alliance, il y avait dans la tente les commandements de Dieu sur les tablettes. Oui ou non? Mais ce que Dieu a dit... Dans la seconde alliance, il a dit « J'inscrirai mes instructions dans le cœur et je les graverai dans leur conscience. » Aujourd'hui, nous n'avons plus de tablettes de pierre, oui ou non. Mais les instructions de Dieu sont logiquement gravées dans nos cœurs et dans notre conscience. Amen. Alors aujourd'hui, Église, je veux vraiment que nous puissions commencer à comprendre que Dieu attend de nous que nous puissions entrer et faire partie de ce temple spirituel et non terrestre. Parce que, selon la parole de Dieu, aussi longtemps que le temple terrestre reste là, on ne peut pas entrer dans le temple spirituel, Église.
Et je crois vraiment que malheureusement, à cause du fait que nous cherchons des choses un peu trop terre à terre, on rate vraiment la gloire de Dieu et les possibilités de voir le royaume des cieux déjà parmi nous. Oui ou non? Alors que moi, je crois fermement que si nous sommes là, ici, Église, et si nous sommes rassemblés au nom de Jésus-Christ, le royaume de Dieu est déjà parmi nous. Et donc, nous avons les possibilités spirituelles que Dieu attend de nous. Nous avons la possibilité de voir toutes les vérités qui peuvent s'offrir au royaume des cieux, Église. Mais le problème est que nous restons trop souvent dans le physique. Oui ou non? Comme si on a peur d'entrer dans le spirituel, comme si on commence à danser, à louer, comme si on commence à prophétiser ou avoir des visions, comme si les gens vont dire « mais ils sont fous ceux-là ». Et ça nous gêne un peu, oui ou non? On n'ose pas laisser le Saint-Esprit nous utiliser comme il doit le faire. On n'ose pas être ce temple spirituel que Dieu attend de nous. Et pourtant, Jésus-Christ est déjà entré dans la grande tente qui n'est pas physique, dans le ciel, pour pouvoir nous pardonner de toutes nos fautes et de tous nos péchés. Ça veut dire, Église, qu'aujourd'hui, nous avons totalement libre accès à la gloire de Dieu. Et lorsque le Seigneur parle vraiment de sacrifice spirituel, je peux vous dire que depuis fort longtemps, Dieu attend de son peuple des sacrifices qui dépassent les sacrifices d'animaux avec le sang des veaux ou des bœufs, parce que selon la parole de Dieu, beaucoup de fois, le Seigneur a dit au peuple, « Vous me donnez des sacrifices d'animaux. » Mais en réalité, ils ne me sont pas agréables. Alors, le Seigneur attend de nous beaucoup plus aujourd'hui, Église. Le Seigneur attend de nous beaucoup de choses. Et selon la parole de Dieu, dans 1 Samuel 12, verset 27, la parole de Dieu dit, et le Seigneur a dit, « L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices d'animaux. » Lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, on doit déjà être dans l'obéissance à la parole de Dieu. On doit déjà être préparé à vraiment vivre et faire partie de la construction du temple spirituel. Oui ou non? Mais des fois, on vient dans la présence de Dieu et on ne sait pas pourquoi on est là. On commence déjà à penser, mais qu'est-ce qu'on va faire? Comment ça va se passer? Et qui sera là? Et ça, c'est grave, Église. Oui ou non? En réalité, nous devons venir dans la présence de Dieu afin de pouvoir voir sa face, afin de pouvoir voir les vérités spirituelles et former un temple spirituel, Église. Et lui donner des sacrifices spirituels. Et les sacrifices spirituels qu'il attend de nous, c'est nous-mêmes. Le sacrifice que Dieu attend de nous, c'est nous. Selon la parole de Dieu, dans Romains 12, le verset 1, la parole de Dieu déclare, on n'entend pas. Amen. Je vous exhorte, frères, donc, à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, saint et qui lui est agréable. Est-ce que vous êtes vivant dans cette salle? Oui. Oui ou non? Mais parfois, Église, je crois vraiment qu'on doit prouver à Dieu qu'on est vivant. Je crois vraiment qu'on doit commencer vraiment à louer Dieu, à exalter son saint nom, à être content, à lui dire, Seigneur, écoute, aujourd'hui, je viens dans ta présence, sers-toi de moi. Oui ou non, Église? C'est pas que le pasteur qui fait tout dans l'Église, désolé de dire. Mais moi, je suis là, oui, mais vous tous ici présents, vous êtes là aussi et le Seigneur a besoin de vous parce que vous êtes une pierre vivante. Il a besoin de vous afin que nous formions tous un temple spirituel. Vrai ou faux? Et je crois fermement, Église, que le Seigneur a déversé des dons en vous. Le Seigneur a déversé de grandes choses en vous par Jésus-Christ. Parce qu'il dit, vous y formerez
temple spirituel, vous offrirez des sacrifices spirituels à Dieu qui lui sont agréables par Jésus-Christ. Et par Jésus-Christ, Église, vous êtes agréable devant Dieu. Oui ou non? Aujourd'hui, la question est, pourquoi limitons-nous encore les possibilités que Dieu met dans nos vies? Alors qu'en réalité, Église, il n'y a plus rien qui puisse mettre une barrière entre nous et Dieu. Logiquement parlant, lorsque nous sommes spirituels, notre esprit est connecté avec Dieu. Oui ou non? Notre esprit doit être connecté avec Dieu. Mais le souci, je pense, que c'est parce que nous restons trop terre à terre. Nous essayons de tout comprendre, de tout essayer de justifier. Alors que le Saint-Esprit agit comme il veut et il déverse comme il veut des dons à qui il veut et il fait ce qu'il veut avec le peuple de Dieu. Oui ou non? Dans Actes des Apôtres, lorsque la puissance du Saint-Esprit est descendue sur le peuple, des langues de feu sont vraiment descendues et ils se sont mis à louer, à glorifier le nom du Seigneur en des langues inconnues. Oui ou non? Alors, soit on se dit, mais c'est pas le même Saint-Esprit, soit on se dit, si, c'est le même Saint-Esprit, mais c'est nous qui limitons la puissance de Dieu dans nos vies. Oui ou non? C'est ça en réalité, Église. Oui ou non? Parce que lorsque les personnes sont venues aux apôtres pour entendre la bonne nouvelle de Dieu, ils sont venus dans le but d'entendre. Ils sont venus dans le but d'écouter. Ils sont venus dans le but d'accueillir. Et parce qu'ils ont entendu, écouté et accueilli, la puissance du Saint-Esprit est descendue sur eux. Oui ou non? Alors aujourd'hui, Église, voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Ecclésias 5, le verset 1, la parole de Dieu nous dit, ne te rends pas à la légère dans la maison de ton Dieu, mais vas-y avec l'intention d'écouter. Alors aujourd'hui, je crois vraiment fermement que c'est l'intention d'écouter non seulement, oui, la prédication, le message et tout ce qui s'y passe, mais je crois aussi que c'est vas-y avec l'intention d'être disposé à la gloire de Dieu. Oui ou non? On doit y aller avec l'intention d'être disposé à être dans la gloire de Dieu. Si nous commençons à faire ça, Église, je crois vraiment que nous serons dans la construction du temple spirituel que Dieu attend de nous. Oui ou non? Afin de lui offrir des sacrifices spirituels. Et ça, c'est grandiose, Église. Qu'est-ce qu'on pourrait offrir à Dieu que nous-mêmes? Qu'est-ce qu'on pourrait offrir à Dieu que nous-mêmes, Église? Moi, je ne vois pas. Parfois, nous limitons la présence et la puissance de Dieu aussi parce que nous avons peur du regard des autres. Vrai ou faux? On a peur du regard des autres, alors on se dit, ben non, moi aujourd'hui, Seigneur, s'il y a une prophétie, ne passe pas par moi, donne à quelqu'un d'autre. S'il y a une vision, non, ne passe pas par moi, donne à quelqu'un d'autre. Mais le problème, Église, c'est que nous limitons la puissance de Dieu dans nos vies. Oui ou non? Et au lieu d'obéir à Dieu, nous regardons plutôt à l'homme. Mais comme je vous avais dit la dernière fois, nous ne pouvons pas être serviteurs de Dieu si nous regardons à ce que les autres pensent de nous. C'est impossible. Mais ce matin, selon la parole de Dieu, Dieu te dit, vous y formerez un groupe de prêtres consacrés à Dieu. Indirectement, la parole de Dieu te dit, tu n'es pas n'importe qui. La parole de Dieu te dit, lorsque tu viens ici, tu n'es pas n'importe qui. Oui ou non? Parce que vous connaissez la cérémonie de consécration des prêtres autrefois, comment ça se passait? Vous voulez voir? Comment se passait la cérémonie de consécration des prêtres autrefois, selon l'ancienne alliance? Allez dans Nombre. Nombre, le chapitre 8. Nombre, le chapitre 8, à partir du verset 7.
À partir du verset 5, pardon. Le Seigneur dit à Moïse, « Sépare les Lévites des autres Israélites afin de les purifier. » La cérémonie de purification se déroulera ainsi. Tu les aspergeras avec de l'eau de purification, puis ils se raseront les poils sur le corps entier et laveront leurs vêtements, après quoi ils seront purifiés. Ils prendront avec eux un taureau, accompagné d'une offrande de farine pétrie avec l'huile, et tu prendras toi-même un second taureau destiné à un sacrifice pour obtenir le pardon. Tu rassembleras toute la communauté d'Israël, puis tu feras avancer les Lévites devant moi. Près de la tente de la rencontre, les Israélites poseront leurs mains sur eux. Aaron me consacrera solennellement les Lévites de la part des Israélites, afin qu'ils soient employés à mon service. Ensuite, les Lévites poseront leurs mains sur la tête des deux taureaux. Aaron m'offrira l'un en sacrifice pour le pardon et l'autre en sacrifice complet, avant d'effectuer sur les Lévites le geste rituel du pardon des péchés. Tu placeras les Lévites devant Aaron et ses fils et tu me les consacreras solennellement. De cette façon, tu marqueras la différence entre les Lévites et les autres Israélites et les Lévites m'appartiendront. À partir de ce moment-là, les Lévites pourront exercer leur ministère de la tente de la rencontre. Alors, autrefois, à l'Église, il y avait vraiment un rituel pour pouvoir oindre et consacrer les Lévites étant les grands prêtres de Dieu, oui ou non? Mais maintenant, ce que la parole de Dieu te dit, Église, c'est que tu n'as plus besoin de passer par tous ces sacrifices, par tous ces rituels qui sont là, puisque tu es passé par le sang précieux de Jésus-Christ qui t'a rendu sans tache, sans péché et sans défaut. Qui t'a purifié, quoi. Parce que son sang précieux est sans tache, sans péché, sans défaut. Oui ou non? Alors aujourd'hui, Église, ce que la parole de Dieu te dit, c'est que tu as la possibilité de devenir un grand prêtre. Vous y formerez un groupe de grands prêtres consacrés à Dieu. Pas comme au temps de la loi, mais aujourd'hui, comme Dieu le désire, par le sacrifice de Jésus-Christ. Ce qui prouve, Église, que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui parce que le Seigneur veut faire de toi son oint. Et il a fait de toi son oint. Autrefois, c'était une partie du peuple qui était mis à part pour être lévite. Mais aujourd'hui, Église, par le sacrifice de Jésus-Christ, toi-même, tu es mis à part pour former vraiment un groupe de grands prêtres consacrés à Dieu. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire pour Dieu? Nous allons essayer et nous allons former, oui, un groupe de grands prêtres consacrés à Dieu pour lui offrir un sacrifice spirituel. Est-ce qu'on est capable de le faire? Bien sûr que oui, selon la parole de Dieu, nous sommes tout à fait capables d'être ces grands prêtres consacrés à Dieu et de lui offrir des sacrifices spirituels. Oui ou non? Alors, est-ce qu'on doit louer Dieu n'importe comment? Non. Est-ce qu'on doit entrer dans l'adoration de Dieu de n'importe quelle manière? Non plus. Est-ce qu'on doit se présenter à Dieu d'une façon, je veux dire, comme si, qui compte pas? Je ne crois pas à l'Église. Mais aujourd'hui, je crois vraiment fermement que notre cœur, notre âme, notre esprit, notre être entier doit être totalement disposé à Dieu. Ce que Romains 12, le verset 1 dit, il dit, vous y formerez, pardon, ce sera de votre part un culte agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte agréable à Dieu. Aujourd'hui, si nous sommes là, Église,
c'est pour le culte. C'est le temps vraiment que nous voulons réserver à Dieu aujourd'hui, car c'est le jour du Seigneur. Et pendant le jour du Seigneur, nous devons être là pour pouvoir décider de rentrer dans la présence de Dieu et tout lui donner, Église. Sans chercher à regarder ni à droite ni à gauche, mais uniquement à être connecté avec le royaume des cieux. Car nous avons la possibilité d'être connectés au royaume des cieux. Oui ou non? Et donc de vivre des vérités spirituelles qu'on ne connaît pas. Même Paul, il disait, je n'enseigne pas d'une manière humaine, j'enseigne vraiment de manière spirituelle. Avec ce que l'Esprit de Dieu lui donne de dire. Mais aujourd'hui, Église, ce que Dieu attend de nous, c'est des vrais adorateurs en esprit et en vérité. Nous sommes déjà dans la vérité, Église, puisque nous avons la parole de Dieu et que nous avons Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ lui-même, il dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Et nous avons aussi la possibilité d'être totalement en esprit devant Dieu. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Vous savez, en nous, on est composé par un corps, une âme et un esprit. Et ce qui est pur en nous, c'est l'esprit. Et ce qui est impur en nous, c'est notre âme. Mais aujourd'hui, ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous puissions vraiment être ses adorateurs en esprit. Et il y a un verset dans Jacques 4, le verset 5, qui dit « Dieu réclame avec ardeur l'esprit qu'il a mis en vous ». Dieu réclame avec ardeur l'esprit qu'il a mis en vous. Ça veut dire qu'il attend de nous vraiment que nous soyons totalement disposés à tout lui donner, Église. Oui ou non? Aujourd'hui, on est là pour Dieu. On est là pour louer, glorifier, adorer son saint nom. Alors nous devons, du début jusqu'à la fin, être en esprit et en vérité pour le Seigneur. Oui ou non? En vérité, je crois vraiment que c'est ce que Dieu attend de nous. Et c'est ce qu'il cherche de nous. Peut-être que nous, on ne comprend pas lorsque on loue, on chante en langue, ou bien on danse en esprit ou autre. Mais Dieu attend de nous vraiment des vrais adorateurs en esprit et en vérité. Et c'est lui qui agira avec nous. Oui ou non? La parole de Dieu nous dit, là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Mais parfois, je crois vraiment que sur le peuple de Dieu, il y a des jougs étrangers qui se mettent en place. Alors tu deviens fatigué, tu n'as plus envie de louer, tu penses à d'autres choses, et etc., etc. Aujourd'hui, nous devons commencer à faire opposition à toutes sortes de jougs, à les renverser au nom de Jésus-Christ et à décider vraiment fermement de rester en esprit et en vérité pour Dieu. Oui ou non? Nous devons vraiment décider à éloigner de nous tout ce qui nous éloigne de la présence de Dieu. Dès qu'on commence à entrer dans la louange et dans l'adoration, toutes nos pensées, tout ce qui est à l'extérieur, doivent rester à l'extérieur. Mais lorsque tu viens de la présence de Dieu ici, c'est pour pouvoir vraiment vivre ce temps et être la construction du temple spirituel que Dieu attend de toi. Pour pouvoir lui offrir des sacrifices spirituels qui lui sont agréables. Amen. Et ça, c'est merveilleux, Église. Aujourd'hui, moi, personnellement, je ne me sens pas comme quelqu'un d'ordinaire. Et vous tous, ici présents, je ne vous vois pas comme des personnes ordinaires. Je vous vois comme des personnes extraordinaires, comme des personnes consacrées à Dieu. Vous êtes ses grands prêtres. Et le grand prêtre, il fait le service pour Dieu. Le grand prêtre fait le service pour Dieu, Église. Alors aujourd'hui, vous avez tous un sacrifice à offrir à Dieu.
Et ce sacrifice n'est pas physique, mais ce sacrifice est vraiment spirituel. Alors, commençons à penser, mais aujourd'hui, si je dois offrir un sacrifice spirituel à Dieu, quel est l'état de mon sacrifice? Je dois commencer à penser, quel est l'état de mon sacrifice? Est-ce que mon cœur est vraiment disposé? Est-ce que je peux vraiment louer Dieu librement? Est-ce que je peux commencer vraiment à... Est-ce que je suis déjà en train de penser en moi, le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est glorieux et je suis là pour louer et glorifier son saint nom? Parce que Dieu attend de nous non pas n'importe quel sacrifice, mais il attend de nous un sacrifice agréable. Il attend de nous un sacrifice agréable. Et selon le psaume 51, Église, le verset 18 et 19, la parole de Dieu nous dit, « Tu ne désires pas que je t'offre un sacrifice, même un sacrifice entièrement consumé ne pourrait te plaire. Ô Dieu, le sacrifice que je t'offre, c'est moi-même, avec mon orgueil brisé. Ô Dieu, ne refuse pas mon cœur complètement brisé. » Et dans la version Louis II, il dit « complètement brisé et contrit ». C'est ça. Dans la version Louis II, il dit « complètement brisé et contrit ». Un cœur contrit est un cœur qui se repent, si je ne me trompe pas. Un cœur contrit est un cœur qui se repent. Un cœur brisé est un cœur vraiment qui a décidé d'ouvrir et de donner toute la place à Dieu. Parce qu'à un moment donné, Dieu avait parlé au peuple, dans Osée, il me semble, il avait dit, il ne suffit pas de déchirer vos vêtements. Il faut aussi déchirer vos cœurs. Alors aujourd'hui, est-ce que mon cœur est totalement déchiré pour Jésus? Est-ce que lorsque je viens dans la présence de Dieu, c'est vraiment parce que j'ai envie de faire l'éloge de Jésus-Christ et glorifier son saint nom? Et pourtant, Église, ce que le Seigneur agrée, c'est ton orgueil brisé, ton cœur complètement brisé et contrit, c'est-à-dire repenti et totalement ouvert pour lui. Oui ou non? Et c'est ça que Dieu attend de chacun de nous ce matin. Ce que la parole de Dieu dit, il n'a pas voulu de sacrifice consumé. De toute manière, si c'était suffisant, il n'aurait pas envoyé Jésus-Christ. Et même Jésus a dit, tu n'as pas pris, ou plutôt agréé, tous les sacrifices d'animaux, les veaux, mais tu m'as formé un corps. Alors j'ai dit, je viens moi-même, afin de pouvoir purifier ton peuple. Et aujourd'hui, Église, Jésus est venu lui-même, afin de te purifier. Et dès que tu viens à lui, ton cœur doit être vraiment déjà brisé, repenti. Déjà prêt, quoi. À tout lui donner. Parce que c'est ça le sacrifice agréable que Dieu attend de nous. Le sacrifice agréable que Dieu attend de nous et que nous lui donnions tout. Vous savez, il est facile de dire à quelqu'un qu'on aime, je t'aime. Oui ou non? Et pourtant, aujourd'hui, pour Dieu, des fois, malheureusement, nous avons du mal à lui donner toute la louange, la gloire et l'honneur qu'il lui mérite. Et pourtant, c'est vraiment à lui qu'appartient louange, gloire et honneur pour toujours. Et il y a un verset qui dit, « Rends à César ce qui appartient à César et rends à Dieu ce qui appartient à Dieu. » La louange, la gloire et l'honneur appartiennent à Dieu pour l'éternité. Maintenant, vous savez pourquoi la parole de Dieu dit que nous pouvons être un grand prêtre? La tradition des Lévites, le grand prêtre, lorsqu'il mourait, c'était terminé. Il passait forcément à un autre, oui ou non? Mais Jésus-Christ, lui, est devenu grand prêtre dans la tradition de Melchisédek. Et Melchisédek était le roi de Salem. Et ce roi de Salem, la parole de Dieu nous dit qu'il n'avait ni père ni mère et on ne décrit pas qui il est. Mais ce qu'il a fait lorsqu'il est venu à la rencontre d'Abraham... Lorsqu'Abraham avait gagné la guerre, selon Genèse 5,
Il avait remporté une victoire, il est allé devant Melchisédek et Melchisédek lui a donné quelque chose, vous savez quoi? Un symbole qui représente déjà le Christ. Il lui a donné le pain et le vin. Et alors ce que Abraham a fait, Abraham a donné la dîme de tout, 10% de tout ce qu'il avait, la dîme de tout à Melchisédek, parce qu'il reconnaissait que Melchisédek était supérieur à lui alors qu'Abraham était descendant de Lévi. Et que Abraham était un grand prêtre. Mais ce que la parole de Dieu nous dit, c'est que Jésus-Christ est le grand prêtre selon la tradition de Melchisédek. Et vous savez pourquoi il insiste bien sur la tradition de Melchisédek? Parce que la tradition de Melchisédek ne s'arrête jamais. Elle est perpétuelle et éternelle. Et voilà pourquoi il y a une distinction entre la tradition de Lévi et la tradition de Melchisédek. Et aujourd'hui, nous sommes grands prêtres par Jésus-Christ, donc dans la tradition éternelle et perpétuelle de la parole de Dieu. Amen. Et ça, c'est merveilleux, oui. Et vous voyez comme quoi, lorsque Melchisédek est arrivé et a donné à Abraham déjà le pain et le vin, il commençait à annoncer ce que Jésus-Christ allait faire, c'est-à-dire se donner lui-même son corps et son sang en nourriture pour nous. C'est merveilleux, non? Ce qui nous prouve, Église, que depuis, même avant, au début, la première alliance, Jésus-Christ était déjà prévu d'être ce grand prêtre pour nous. Et même au début de la première alliance, nous étions déjà prévus de pouvoir être consacrés pour Dieu. C'est merveilleux, non? En gros, Dieu avait déjà fait toutes les possibilités pour que nous puissions avoir part au salut. Alors, est-ce qu'il mérite la gloire, l'honneur et la louange ce matin? Bien sûr que oui. Moi, je ne vois pas d'autre Dieu aussi grand que lui. Et si vraiment on va chercher dans toute la parole, il n'y a jamais rien qui se contredit. Même si des fois, on a l'impression un verset contredit l'autre, non? Mais en réalité, non. Jamais rien, Dieu n'a jamais et ne s'est jamais contredit. Dieu est celui qui a fait toutes choses par Jésus-Christ. Et selon Colossiens, la parole de Dieu dit, Colossiens 2, le verset 17 il me semble, la parole de Dieu dit que tout tient en place grâce à Jésus-Christ. Si tu es là aujourd'hui, que tu tiens bien debout, que tu es possible pour toi de louer, c'est parce que Jésus-Christ permet que tu tiennes bien en place. Et si tout ce qui se passe ici tient bien en place, c'est encore grâce à Jésus-Christ. Oui ou non? Alors est-ce qu'on doit offrir tout à Dieu ce matin? Je crois que oui. J'en suis sûre que oui. Quand je dis je crois, on dirait que vous pensez peut-être. Non. Je suis sûre qu'on doit tout offrir à Jésus-Christ parce que le sacrifice qu'il a fait est éternel et depuis le début de la Genèse. Jésus-Christ était déjà prévu à être avec nous. Jésus-Christ était déjà prévu de mourir pour nous et de nous sanctifier afin que nous puissions offrir à Dieu un sacrifice éternel, agréable. Un sacrifice agréable et un sacrifice spirituel. Amen. Est-ce qu'aujourd'hui votre cœur est bien disposé pour Dieu? Oui. Alors si c'est disposé vraiment pour Dieu, on peut entrer dans la louange, dans l'adoration. Oui ou non? On doit savoir qui on vient aujourd'hui, pour qui on est là et celui qu'on vient élever. Moi, celui que je viens élever, c'est Jésus. Et mon cœur est totalement ouvert pour Jésus aujourd'hui. Alors nous tous ici présents, ce matin, nous avons besoin les uns des autres. Pourquoi? Parce que nous sommes tous des pierres vivantes. Et que nous devons tous former un temple spirituel. Oui ou non? Ça veut dire que nous tous ici présents, nous devons être unis. Et nous devons donner à Dieu toute la gloire, toute la louange d'un même cœur, d'une même pensée et d'un même esprit. Amen. Alors aujourd'hui, on doit vraiment comprendre ce que Dieu attend de nous
le culte agréable que Dieu attend de nous. Ce culte agréable, c'est nous-mêmes. Et que nous formions tous ce temple spirituel. Amen. Vous avez envie de former le temple spirituel ce matin? Oui? Moi, oui, moi. Mais tout seul, désolée de dire, j'arriverai pas. On doit tous ensemble former ce temple spirituel. Amen. On doit faire bloc, quoi. Allons louer Dieu, alors.